Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Tortius, on se retrouve pour un nouvel épisode avec les États-Unis communistes. Précédemment, alors, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, du côté de l'Europe, on a le Français qui arrive aux portes de Moscou. Enfin, je crois qu'il a même pris Moscou. Non, Moscou a été intact, donc pour l'instant, le Français n'a pas l'air d'avancer. On a les Croates qui font une magnifique résistance. Ouais, les Croates qui vont se battre jusqu'à la mort, incroyable. Non, du côté de l'Asie, rien de nouveau. Du côté de l'Afrique, les Anglais ont atteint la Méditerranée. Enfin, ça a plus tardé. De notre côté, donc on est rentré en guerre contre les Confédérés. Ah. Excusez-moi, je voudrais... Eh oh. Ok, je ne peux pas. Voilà. Excusez-moi, je ne peux pas dézoomer, c'est génial. Bon, alors, on avait réussi à reprendre le contrôle du Missouri. Enfin, je crois que c'est le Missouri. Ou le Tennessee, attendez. J'ai une carte des états. Oui, c'est bon, c'est le Missouri. Donc, on est en train de prendre contrôle du Missouri, avec toutes les révoltes en train d'éclater. Voilà, on a envoyé un petit QG à Saint-Joseph, qui va faire le boulot. Alors, de notre côté, on arrive presque devant Charleston, qui est la capitale du Confédéré. On va essayer d'encercler Charleston. À Atlanta, on tient la ligne, parce qu'Atlanta est notre meilleure base logistique. Du côté... du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, on va encercler à tout scud une division. On essaie d'avancer, mais c'est pas évident. On avance très lentement à certains endroits. Ok, lui, il attaque. Bon, on va reprendre. On va voir ce qui va se passer. Phoenix, pardon. Enjoy! Pardon, bon, excusez-moi, j'étais obligé. Ouf, oh, ça fait mal. Lieutenant Wood qui nous met déjà en PLS. Ouais bah ça passe hein. Alors attendez, j'ai vu un truc dans le chat. Ok c'est bon. Charlotte, on a éliminé de la troupe, parfait. Oh bah regardez ça, on est déjà aux portes pour Atlanta. Oh purée, Atlanta. Allez Atlanta, ils y retournent, allez c'est reparti. C'est reparti mon kiki. On va tenter une percée à Columbia. Ouais là ça va être... On va perdre Atlanta, c'est une catastrophe. Bon, en même temps, vous avez vu les troupes... Il y a des tanks en face. Collins, Junior, Senior, enfin, je sais pas qui. Ça va être compliqué. Bon, on va envoyer eux là-bas. Bah, oui. Bah, support défense, espèce d'imbécile. Le mec, j'ai besoin de lui expliquer pourquoi tu dois attaquer. Bande de débiles. Ok, là, je crois qu'il y a Patton dans le coin. Il est où, Patton? Ah, il est là, il a tous les dos. Ah, ce satané confédéré. C'est pas le plus con du tas, mais... Ah, allez, petite bataille de tank entre Parker et Mbik. Oh, oh oui, ça va faire mal, là. Oh, je vais me faire éclater. Ah, attendez, c'est quoi comme tank? Arme 1. Ah, non, c'est on a du moyen contre du léger. On l'ouvre. Comme dirait Pépé, on l'ouvre. Regardez-moi ça. Eh ouais. Et on lui casse bien la figure, en plus. On a capturé Norfolk. À moi, les porcs. Ah oui, c'est vrai que je devais casser la figure aux confédérés. Parce que, vous vous rappelez, la flotte confédérée m'a bien cassé les pieds la dernière fois. Bon. Allez, Ernest, tu continues ta mission. Pendant ce temps-là, nous. Hop, allez, personne ne réchappe. Eh ben non, les gars, personne qui va survivre à mes petits bombardements. Ouais, t'as un mec qui sort de la base, il est mort. Il n'y a plus personne. Voilà. Trois escadrilles. Là, si l'autre, il essaye de m'attaquer. Ah bah ben là, là les bombardements sur New York, on s'en souvient, mais ça sera plus la même maintenant. Ok, là, il y a du monde. Ok, là, on avance. C'est très lent à certains endroits, je peux pas vous mentir. Ah, c'est bon, Saint-Joseph est tombé. On va s'installer. Bah, Saint-Louis, c'est à moi du... Y a pas un truc un peu bizarre, là? Bah, pourquoi t'attaques? T'as pas besoin d'attaquer. C'est une ville qui nous appartient. Ok, là, je comprends pas le jeu. Là, il faut pas que je perde Atlanta. Pff, oh, je me fais ouvrir, quand même. Eh, on tient sur de pas grand-chose. Allez les motos! Les motos sont arrivées! Et ouais! Ah, et l'autre qui est en train de me balancer des bombes puantes! C'est quoi ça encore? Ah oui, d'accord, il m'a vraiment tout envoyé lui, alors... bon, bah j'ai pas des bombardiers dans un coin. Ah, Nebraska! Allez, hop! Bah tu vas aller ici. On va essayer de les repousser. Ah bah ils sont épuisés, malheureusement, ça va pas passer. Ça passe quand même notre offensive, regardez-moi ça.
Et boum! Ah non, mais ils sortent d'où les trois là? Attends, ils étaient pas trois tout à l'heure. Bon, on va arrêter l'offensive parce que là, ça va pas passer malheureusement. Bon bah, magnifique offensive, mais l'IA a été plus maligne que moi, dommage. Là, il va falloir contre-attaquer. Allez, hop, le confédéré, on va le repousser. Amarillo, on va tenter une percée. Si on prend Amarillo, ce serait pas mal. Allez les gars, on attaque Amarillo maintenant. Ah oui, c'est vrai que là, je suis en train de m'acharner sur eux. Oh, boss d'un côté, c'est logique, hein. Je m'acharne d'un côté, ils s'acharnent de l'autre. Amarillo. Bon, je suis pas sûr que l'encerclement fonctionne à Mario, mais... Allez, la pauvre CAF 36, boum. On les éclate. Vandergrift. Je connaissais pas, mais bon, maintenant, je connais. Cette phrase n'a pas de sens, mais... Mais Novgorod est tombé. Pourquoi vous fuyez? Vous vouliez tenir? Ah d'accord, je me suis vraiment fait éclater comme il faut, en plus. Génial. Bon, 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 va falloir que j'attende un peu, maintenant. Ah, ces débiles, ils sont fait pousser de la pire des façons. Bon, tant pis, hein. Allez, en punition, prend Nashville. Jonas Bro est tombé, oui, bah en face, t'as vu qui est en face, mec, il y a l'autre psycho, voilà, comment c'est son nom, Blackmore. Alors, pour un confédéré, s'appeler Black, ça, c'est très très hilarant quand même, on va pas se mentir. Je crois que c'est la meilleure du jour. Amarillo, victoire, bah évidemment, il n'y a plus rien en face. On est en train de tout buter. Attendez, on va peut-être attaquer Lawton aussi. Eh, on s'enfonce dans le Texas, le vieux Texas. Je sais pas s'il y a une appellation sur le Texas. Si, il y a le Lone Star, l'étoile solitaire. Alors ça donne quoi ici, les gars? Oh, on les éclate. C'est quoi ça? La brague. Avec un nom pareil, vous méritez que de vous faire éclater, les gars. Ah! Quoi? Mais ils sortent d'eau, toutes ces merdes, là! Et bien sûr, c'est moi qui me fais éclater, bien sûr. Ouais, bah bien sûr, les mecs, ils m'éclatent sans problème, bon. Bon bah on va se replier à Washington, hein, parce que vu que c'est Saligo, non on va rester à Philadelphie. Ok, donc il y a une base aérienne, il va falloir que j'éclate parce que là ils vont me casser les pieds avec leur satané truc là. Ah je pourrais tellement contre-attaque ici mais non, on va pas tenter. Bon ma cavalerie normalement elle arrive sans problème. Bah tant pis, on va devoir suspendre l'offensive puisqu'ils ont décidé de me casser les pieds à côté. Bon bah on y retourne à Jonesboro, il va plus rien rester à Jonesboro mais c'est pas grave. Ah bah ils avaient pas qu'à défendre aussi hein. Bon vous savez moi je veux pas tout détruire. Ils sont pas obligés de faire les bourrins. Blackmore, ah bah. Ah bah tiens, voilà les tanks. C'est quoi ce truc? Genre brigade de tanks sur une division blindée. Mais c'est complètement stupide. On est bien d'accord. Alors peut-être qu'il y a des joueurs de Dark Souls qui vont me dire que c'est moi qui suis débile mais... La garde nationale d'Arizona. Alors les gars, je veux pas dire mais vous êtes quand même très loin de chez vous. Greenville est tombé. Attends c'est où ce truc? Ah non je vais pas perdre ma cave. Ils m'ont pété ma cave. Mais d'où? Ok, ok, d'accord. Donc toi mec, je vais juste te buter en fait. On est bien d'accord. Mais le mec, il a. Genre, mes chevaux sont fait dépasser par quoi? C'est quoi encore les merdes qui vont dépasser? Un QG? Vous vous foutez de moi? Je me suis fait dépasser par des deux chevaux? Mais ça a pas de sens. Depuis quand des deux chevaux ça va plus vite que des cavaliers? Non mais sérieux? Oh là, oh là, oh là. Y a un petit problème là. Bah non, j'en demande pas 11, espèce de débile. Bah, y a un problème là. Alors attendez, j'ai peut-être. Bah non, je veux pas mettre 99 div. Ok, alors y a un petit souci avec le jeu. Bon, on va faire manuellement à l'ancienne, hein. Allez, hop. Une div. Deux div. Trois div. Allez, hop. Oh, ce troll, quoi, c'est... Vous vous rendez compte que je me suis fait... Que mes cavaliers sont fait dépasser par une espèce de voiture de merde qui m'a buté tous mes mecs. Ils sont tous morts, hein. Ah bah oui, ce serait trop bête qu'il y en a qui survécu, bien sûr. Ah, les fumiers, quoi. En plus, j'ai perdu 3 divs dans ce délire. Putain, j'aurais dû contre-attaquer. Et je me disais, non mais ce serait trop beau qu'ils aillent pas aussi vite. Mais si, ils vont plus vite que des chevaux. Alors, je veux bien qu'une voiture, ça aille plus vite qu'un cheval, mais un QG... Genre, dans le système compagnie, les mecs ils sont loin à la détente, vous croyez vraiment que là ils vont être plus rapides que des chevaux? Ah ouais, là je vais m'en rappeler. Bon, fallait bien que je me prenne une déroute, mais je crois que c'est une malédiction en fait, je suis obligé de me prendre une déroute sur Darkest Tower, enfin sur ce mode avec n'importe quelle faction. Oh oui, on est rentré dans le... On est à Hardmore. Parfait, 40% d'infra. Et allez, boum, une division encerclée de ce côté.
Ah bah non, hein, tu scones, ça va pas passer, mon grand. Eh bah non. Vous me pétez une dive, je vais vous en péter une autre. Hein, attendez. Les mecs, ils me pètent des dives et maintenant ils s'attendent à ce que je sois sympa. Et hop, on va attaquer Columbia. Et on va leur mettre la misère, parce que Columbia, là, ils m'ont mis en furax. Ah, mais vous savez, quand on me met en furax, on le regrette très vite. Hardmore, ok. Hardmore, nanana, Columbia. Allez, Columbia. Ouais, bah là, étonnamment, la carte de Californie, eux, ils sont arrivés au mauvais endroit. Sans la Caroline du Sud est presque tombée. Hardmore, ok, c'est parfait, on passe. Là, faudrait juste pas qu'il retourne une nouvelle attaque. Bon, Atlanta qui est en ruine, c'est une catastrophe pour Liga. Eh ouais. Là, regardez, on est en train d'atteindre le Texas. On est devant Dallas. Parfait. Ton univers impitoyable. Hardmore, victoire. Jonesboro, victoire. Ah bah ouais, je suis de retour. Tu vas voir Patton qui va me regarder avec des jumelles. Oh, il est de retour. On en tue encore? Oui, on en tue encore quelques-uns. On va suspendre les bombardements de ce côté. Attends, on va envoyer le QG de se battre. Hein. Toi, les mecs vont défoncer avec un QG, alors moi, je mérite bien vengeance. Allez, hop. Là, on va aller casser encore du Southerners, on va du Confédéré, là, du Redneck. Je sais pas si c'est techniquement des Rednecks dans le coin, mais c'est pas grave. Encerclement, et ben allez, hop. Et voilà, Phoenix. Et voilà, tu me pètes 3 divs, je t'en pète une. Le ratio est pour l'instant en ma faveur. Ah oui, ils espèrent vraiment passer à... Ah, mais disons que vous avez de l'espoir, hein. Ah bah non, je vais sûrement pas vous laisser passer. Ah, il est stylé, en général. Enfin, on dirait que plus un policier qu'un général. Tu sais, ils ont pris le policier du coin, ils lui ont mis des lunettes. Enfin, ils ont pris le policier du coin, ils lui ont mis un fusil dans les mains, ils ont fait « Maintenant, c'est toi le patron. » Quoi? Vous pouvez répéter, chef? J'ai pas trop compris. Allez, Little Rock. Allez, on va aller faire rentrer des élèves dans des écoles. Enfin, des élèves noirs dans des écoles. Allez, hop, on va faire chier Wallace avant l'heure. Ah, Patton est de retour. Non, pas Patton, s'il vous plaît. Putain, il me met la misère, Patton. j'avais fait chier Patton. Allez, là, l'encerclement à Columbia. Bah, eux, dès que je vais les encercler. Alors, ils vont se replier par où? Si se replier à côté serait magnifique. Hardmore, je me fais attaquer. C'est où ça? Ouais, non, ça va en fait. Allez, à Roswell, on galère quand même, hein. Ah bah faudrait bien que l'autre il arrête de m'attaquer en fait, ce serait bien. Ouais bon, je vais pas réussir à le... Ouais, on va peut-être attendre un peu avant d'attaquer. Bon, on va laisser dans le pire, dans le pire, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Mais comment ça une smear campaign, genre mec, t'as la moitié de ton pays qui est envahi, mais c'est... Mais... Bon, va falloir un coup d'état, c'est maintenant, ça c'est trop drôle. Non, manipulation globale, les confédérés c'est les méchants. Pourquoi vous me croyez pas? C'est j'ai beau envahir un pays, mais c'est moi le gentil. Et voilà, 80% de contre-espionnage. Là, si le mec il passe, c'est que c'est même plus un être humain, c'est une souris. Et encore, si on a une souris, à défaut d'avoir une taupe, on aura une souris, mais bon, à part faire cette blague de merde, je vois pas quoi faire d'autre. Bradley, bah attends, Bradley. Voilà, général Bradley. Maintenant, tu vas attaquer ici. Ils m'ont mis en furax avec les confédérés, ils m'ont buté une unité de cave. Enfin, l'autre fois, c'était avec le français où on avait perdu la moto en Alsace. Oh, putain, ce désastre. C'est mon traumatisme perso, ça. J'ai vraiment merdé ce jour-là. Par ma faute, Leclerc a fini dans un stalag pendant 3 jours. Bah oui, fallait pas déconner non plus. Ah bah, regardez-moi ça, il y a un petit qui s'est fait encercler ici. Par contre, j'ai juste évacué mes avions parce que l'autre, il est un peu trop smart. Il est pas con, hein, le mec, hein, il est très smart. Voilà, coucou. Lucas, ça va à lui. George, enfin c'est même pas George Lucas, mais vous avez compris la blague. Hop, on va avancer ici, on va attaquer Augusta. Eh ben allez, au revoir les gars. Eh ouais. Garde nationale de Virginie, vous allez retourner au pays les gars, avec un petit marteau dans les mains. Allez, une petite faucille, un marteau, c'est la maison qui offre. Alors vous pouvez passer par où? Bon, on va attaquer ici à côté. Bon, et ben ça avance cette petite campagne du sud. Amarillo, victoire. Hardmore, victoire. Bon. Là, ils ont pas l'air de m'attaquer, alors on va défoncer la poche. Allez, hop, regardez-moi ça, y a plus rien. Oui, Wilmington. Attends, c'est où ce... Mais c'est où ce coin, là? Ils aiment bien ce coin. Ah oui, c'est ma petite poche dans les territoires confédérés. Ah, vous êtes mignons, les gars. Bon, on va aller prendre Dallas. Ton univers impitoyable. Parfait.
Eh ben, on a envoyé de la troupe à Albuquerque. Et on a gagné de ce côté, c'est parfait. Et on va contre-attaquer à Roswell. Allez hop, tu me bouges, et ben je te bouge. Voilà. Heureusement qu'on a la propagande derrière qui aide, parce que sinon on serait très mal. Ah, Patton, il est arrivé, le Patton. Ah non, c'est pas Patton encore. Mais ils sont en train d'arriver, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Allez, les marteaux rouges. Putain, en français, ça fait un peu nom pourri, mais par contre, en anglais, c'est tellement stylé. Les marteaux rouges attaquent. Anne-Mort, mais arrêtez. Regardez, Anne-Mort, c'est des escarmouches qui ne servent à rien. Voilà, allez, les tanks. Avec vos vieux tankettes de la première guerre. Ah là, par contre, ça passe pas, hein. Voilà, allez, c'est quoi ça encore? Garde de Géorgie. Ah, vous êtes loin du pays, hein, là, est-ce que la Géorgie... ouais, on est en train de prendre contre la Géorgie. Là, on est en train de faire revivre les glorieuses heures de la guerre de sécession. Enfin, de la vraie, parce que, techniquement, on n'a pas vraiment perdu, ouais, c'est un peu compliqué, en fait. Putain, ils reviennent ici, incroyable. Faudrait qu'une fois Dallas prise... Faudrait qu'à Dallas, je fasse... Ah, la Louisiane mobilise. Ah bah, c'est un peu tard, les gars. T'as les mecs qui mobilisent toute leur armée, mais c'est trop tard. Ils ont tout perdu. Là, va falloir que j'attaque de ce côté-là. Les gars, vous êtes sûrs que ça va, hein? Parce que niveau Insta, j'en vois beaucoup de l'Insta en ce moment. Non, ça va. Les mecs sont sereins. Je suis juste en train de les encercler pépère. Je veux faire durer le plaisir avec ces saligots. Parce que, attendez, si je dois les massacrer, autant y aller de manière... Oh bah, attendez, j'ai une super idée. Allez, hop. Petite poche à Atlanta. On va y retourner pour la dernière fois à Atlanta. Eh ouais, les gars. C'est moi qui régale à Atlanta. Bon. Vous, vous allez aller comme ceci. Voilà. Parce que je voudrais pas trop me faire poche à Augusta. Tuscon. Alors attends, là, c'est dans le désert qui m'attaque. Vous avez toujours rien compris, en fait. Je veux dire, les gars, quoi, arrêtez. Là, au niveau de votre armée, c'est même pas logique d'attaquer. Bon. Santa Fe, on va les décourager de me contre-attaque. Bûcheur. Ah bah. Avec un nom pareil, c'est le... Oklahoma, bah, l'Oklahoma, il n'y a plus d'Oklahoma. Aussi, il y a normalement le bout de la poêle, comme on appelle. Je crois que le bout de la poêle, c'est ça. C'est l'Oklahoma, ça s'appelle la poêle ou un truc du genre. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est le désastre dans ce pays. Ah, mais ça me contre-attaque par ici. Ok, bah on va attaquer en soutien ici. Patton, oh putain. Ouais, dès qu'il y a Patton, tu sens que ça sent mauvais pour moi. Allez, pique! Hop là. Je peux tellement faire de jeux de mots sur mes généraux, mais... oh là, leur armée est dans un sale état. L'Arizona, oui. Hidman, mais qu'est-ce que vous foutez là, en fait? Les mecs, ils m'envoient des troupes, tu sais pas ce qu'ils font, là. T'attends, toi, je vais te casser la figure, mon grand. Ah, attendez, on va peut-être avoir plus besoin de vous ici. Voilà. Voilà, parfait, vous attaquez comme ceci. À Atlanta, ils vont se sentir tellement cons, les gars, ils vont être là en mode « Ah, c'est parfait, on est en train d'encercler, on a avancé face à ces satanés communistes. Pourquoi on se fait encercler, là ?» Alabama, bah... Vous vous rendez compte, là, on est sur la terre de ce cher... Oh, il m'a encore poussé, l'autre, là-bas, mais c'est pas possible. Patton, il est intuable. Ah si, on est quand même en train de buter leurs tanks, attends. Attends, les tanks... Non, mais le français, mais... Mais va te faire Louis croiver bâton là. C'est pas que lui croiver de bâton, mais quand c'est même les briser l'autre. Genre le mec il a pas d'autre priorité que de me casser les pieds. Ah bah non. Bien évidemment que ton coric. Ah bah parfait, les copains ils viennent d'arriver. Bah alors vous vous attaquez là. Voilà. Toi tu vas te décrocher, tu vas attaquer à Lubbock. Oui, on va attaquer à Lubbock. Voilà, regardez le Texas qui est en train de se faire bouffer. Ça se passe comment à l'arrière? Bah ça va, les gens ont pas l'air trop en colère. Bon, on est juste en train d'avancer, de leur apporter le socialisme. Bon, un peu par la force, mais effectivement. Bon, par contre, vous allez vous détendre avec vos campagnes de diffamation, parce que là, ça commence vraiment à être chiant. C'est comme sur Twitter, ça commence à être chiant au bout de la troisième campagne. Dallas. Ah, petite baston à Dallas. Oula, Dallas, il y a du monde quand même. Et je vais pas passer à Dallas. Incroyable, ils vont réussir à me repousser à Dallas. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis si je prends pas Dallas, vous savez, c'est pas une priorité. Enfin si, c'est quand même une bonne base. Oh là, mais c'est qu'il avance vite en plus, l'autre. T'as Jonesboro, ça va un peu vite. Alors attendez, on va faire un truc. Parce que vous m'avez déjà pété de la cave la dernière fois, je veux pas encore perdre de la troupe. Parce que là, si je perds... non, et là, j'espère que Patton va se calmer avec son délire de campagne d'offensive, je sais pas quoi. Parce que là, ça commence vraiment à être chiant. C'était marrant la dernière fois, Patton, mais là, ça commence vraiment à être gonflant.
Victoire à Little Rock, Dallas. Oh, on a gagné à Dallas. On a une baston. Ah, Tuscan, je me fais repousser. Comment ça? Attends, tout à l'heure, ça passait pas, maintenant ça passe. D'accord. Comme vous voudrez, mais je suis pas d'accord. Tyler. Ouais, ok, Tyler, ça passe. Allez, Jonesboro, on a repoussé Patton. On a repoussé l'affreux Jojo. Enfin, on a repoussé l'affreux avec son casque et... Et son casque et ses tanks. Vous savez, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. On peut presque encercler cette fichue ville. Oh, ouais, Tuscan, ils m'ont repoussé. Vous allez faire quoi? Votre offensive, elle sert à rien. Actuellement, la situation est très bien. Et j'en suis très fier. Ah, bah c'est qui va se retrouver encerclé dans... pas Augusta? Comment ça, Augusta? Oh, vous allez pas me faire le coup de l'offensive à 50 contre 1. Hop, là, on va envoyer un corps blindé ici. On va voir s'ils vont aimer. Et là-haut, on contre-attaque ici aussi. Charleston, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Charleston, ça fait moi les malins. Oula. Ouais, par contre, au niveau tank... Ah, mais non, c'est vrai, tank, c'est vrai que je les surpasse. Atlanta, ça passe aussi. Eh, l'offensive... La Black Nat. Là, ils vont voir arriver une division de soldats afro-américains. Les mecs vont être mal. Ils vont être là. Pourquoi il y a des noirs chez nous? Eh ouais, les gars, ça s'appelle le socialisme. Enfin, c'est pas vraiment le socialisme comme on l'imaginait, mais voilà, quoi, c'est le socialisme américain. Égalité raciale, tout ça... Bon, les Santa Fe, on les éclate. Eh, les gars, va falloir retourner au pays, parce que les usines, elles vont pas tourner toutes seules. Gascon, victoire. Atlanta, victoire. Charleston, victoire. Victoire de partout. Et ils se replient, ces lâches. Les lâches, ils se replient. Tellement je leur mets la misère. Eh ben, allez, on va aller encercler Savannah. Eh ben, ouais, les gars, vous me cassez les pieds, ben, je vous contre-attaque aussi. Alors, attends. Bah, tu remontes à Charleston de ce côté. Oh putain, que mon QG qui est revenu. Ah putain, le QG pour attaquer c'est des nuls, mais par contre pour contre-attaquer, enfin pour s'enfuir les gars, c'est des athlètes olympiques. Incroyable. Jamais vu une incompétence pareille. T'as Jonesboro, ah oui bah là Jonesboro ça va attaquer. Oh bah encore un tank, c'est parfait. Je vais pas me gêner pour les descendre les tanks. Et hop, on va encercler Charleston, et voilà. Coucou. Alors les gars, ça fait quoi de se faire encercler comme des cons? Ah non, vous allez pas me... Vous allez pas fuir. Oh, ils vont réussir à fuir les salauds. L'armée rouge se porte mieux. What? Il s'est passé quoi aux Bermudes? D'accord, les Anglais qui ont perdu les Bermudes. Bon, c'est pas une grande défaite, mais... Oh là, les Français qui sont... Les Français qui percent. Et là, s'ils perdent une de ces deux provinces, c'est fini. Eh, ça, le front est quand même pas totalement stabilisé. Bon, du côté du Moyen-Orient, les Soviets percent. Bon, l'Ottoman, c'est pas une très grosse difficulté. Les Croates qui sont réduits à Pochagra Split, bah, c'est une belle résistance, malheureusement. Ça va être un échec. En Asie, rien de nouveau. À l'Est, rien de nouveau. Bon, on y retourne. Parfait, bah là, on va reformer un corps. Et on y retourne. Zapra va me dégager. Voilà, c'est parfait. Bon, là, je crois que je vais me faire pêcher, pocher. Je vais me faire pêcher, non, non, non. Ce vocabulaire n'existe pas, Cory. Bon. Ah, la Savannah. Ça va moins faire les malins, maintenant que je vais avoir pris leur satanie. Regardez ça. Charleston qui est en train de tomber. La garde nationale de Floride. Ah, c'est trop tard. Allez, tous vos copains qui sont en train d'y passer. Oh, mais regardez-moi ça. Ce serait pas des bombardiers navaux qui vont avoir la possibilité de venir vous casser les pieds? Mais si. Qui c'est qui va se prendre un bombardement naval dans la région? Eh ben c'est vous. Bon, là-bas, j'avais prévu de les encercler, mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose, alors on va juste contenter de couler leur flotte, hein. Allez, mes tanks, on avance. Lève-toi, armée rouge. Et allez, Gasden, Atlanta s'est encerclé. Oh là, ben dites donc, c'est qu'il y a du monde par ici. Il y a toute la belle armée rouge qui est là. Oh oui, oui, oui. Allez. Oh, la tête de Lockwood, lui, il a compris que c'était fini. Allez, au revoir. Merci, merci d'être passé. Bon, je suis un peu dégoûté pour les deux pilotes, mais c'est pas grave. Macon. Incroyable, je ne connaissais pas. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Macon dans ce coin-là. Eh bah là, les tanks, ouais, les 3800 tankistes, là, il va plus avoir grand-chose. Plus de tanks. Alors, Gaston, oui, bah là, c'est la bataille qu'on est en train de faire. Non, c'est bon, on tient de ce côté, c'est parfait.
Parfait, on est en train d'avancer dans le... On avance. On va attaquer à Kalsbad. Ok, je sais pas. Ok, très bien. Dyslexie, je n'arrive pas à prononcer. Oh oui, encore une flotte. Oh, j'ai pas vu. Oh, j'ai dégoûté, j'ai pas vu. Ouais, t'as toute la flotte qui est en train de s'enfuir, mais les mecs, ils ont pas trop compris que c'est trop tard. Ah bah non. Et voilà, plus rien à Charleston. 5 destroyers. Ah bah, va falloir sortir, les gars. Ils vont tous sortir, ils vont tous se faire descendre. Oh, bah regardez-moi ça, encore des navires. Le CSS confédéré. Ok, aucune originalité. Au revoir. On n'a pas réussi à couler. Incroyable. Kazei qui est en train de casser la figure aux confédérés là-haut. Parce que là, faut pas qu'il fuit, parce que là, ce serait un désastre. Ces mecs, ils parviennent à fuir, vous imaginez. Ah, Bradley qui XP, c'est parfait. Allez, encore un destroyer qui tombe. Ah oh bah. Nashville, c'est parfait. Hop là, et voilà, on avance. On avance de partout. Memphis, comment ça? Ah oui, j'ai mes restants de cave, est-ce que j'ai plus de cave? Génial. Ah ça, je suis vraiment salé pour la cave. Hein. Tiens, une unité que j'aime pas perdre, c'est la cave. Bon, perdre l'infanterie, c'est triste aussi, mais la cave, c'est quand même sacrément important. Tuscan est tombé. Ah oui, bah... Ouais, je sens pas l'offensive de merde en plein désert, quoi. Bon, on va arrêter l'attaque ici. Hop, 7 décembre, on y va, on court. Mais en plein désert, chef, on va faire une insolation. C'est pas mon problème. Bradley qui est tenu. Allez, ce Tchad. Le Tchad Bradley qui tient. C'est exactement ce qu'on veut. À Gazden, on va envoyer des renforts. Voilà. Histoire de tenir un peu. Allez, regardez-moi s'il n'y a plus de flotte confédérée. On a coulé le Confederate State et le Tennessee. Ironique. Ah, ils m'ont flingué mes avions, par contre. Oh, non. Non, mes avions. Bande de salauds. Putain, pour casser des avions, ils sont forts, hein, les mecs. Par contre, pour défendre leur flotte, pas grand-chose à dire. Voilà, Dallas est entre mes mains, c'est parfait. Regardez ça, on est en train de reprendre le contrôle. Enfin, on est en train de prendre le contrôle du Texas. Je trouve que le Texas, j'ai des corps dessus. Ah non, non, c'était juste dans l'ouest, le vaste l'ouest sauvage. Les terres qu'on m'a volées, apparemment. Enfin, à Skip, on m'a volé des terres. Alors, j'ai un peu de doute, mais bon, bah, c'est pas grave. Ah, par contre, toi, je vais juste pas te laisser prendre... Allez, Birmingham. I have a dream. J'ai cassé la figure aux confédérés. Dallas. Ah oui, contre-attaque à Dallas. La garde d'Arizona. Putain, dans l'Arizona, vous avez vraiment de l'espoir. Hein. Les mecs, y'a plus personne. Mais ils vous attaquent encore. Allez. Good morning, Tyler. Et voilà. On est aux portes de Houston. Attends, on est en train de prendre du pétrole. Oh oui, les 3,84 de pétrole, on aime. Les 41 de pétrole. Ah, j'en connais un qui va se sentir mal. Alors, les points de victoire, Atlanta, Miami, Houston et la Nouvelle-Orléans. Oh bah ça va, on a presque gagné. Ouais, je pense pas gagner cette guerre, cet épisode-là. Enfin, on verra bien. Eh bah là, on pousse. Enfin, attends, là, j'ai pas trop... Attendez, là, j'ai pas toutes mes troupes qui se dépêchent de se manier. Ouais, bon bah là, c'est fini, hein. Y a plus de flotte. Les confédérés n'ont plus de flotte. Enfin, ils ont peut-être encore de la flotte, mais vu comment on les a défoncés à l'arrière... Parfait. Ah, j'entends la marche Lorraine en fond, c'est magnifique. Tiller, ok, victoire. Tiller, victoire. Ah non, vous allez pas me perdre Dallas, les gars. Non, c'est bon, Dallas, on tient. On les a totalement anéantis. Alors, les blindés, ça se porte comment? 58 tanks, on a tout détruit. Ah, c'est la vallée là, c'est l'allée of death, sauf qu'on fera pas ça en Irak. Mais en plein milieu, je sais pas quel coin. Bon, allez, on va faire la descente sur la Floride. On va aller choper tous les vieux riches là qui sont en train de faire la fête. Ah bah eux ils vont être surpris là, ils vont voir arriver les tanks soviétiques. Ils vont être là en mode bonjour, vous êtes qui? C'est l'armée rouge. Ah d'accord. Ah autant pour moi, désolé, je voulais pas vous déranger. Non mais vous dérangez pas du tout. T'es justement en train de planifier la collectivisation des terres. Eh bah allez, on va avancer, allez hop. À Truscott, on est en train de traquer les mecs en cagoule blanche dans les. Kharkov est tombé? Oh oh. Ah ouais, c'est pas... Ah ouais, ils sont pas encore sauvés de ce côté. Non mais le croate qui fait une... Tito, ce cancérigène absolu. Ah mais dès que t'as Tito, ça finit mal pour les mecs en face. Alors bon. Bon, Dallas, va falloir que je... Ah, on va perdre Dallas, fais suer. Bon, tant pis.
Ouais, enfin bon, là c'est quand même une grosse défaite pour moi, parce que je leur enfonce le flanc, littéralement. Bon, là, il va falloir que je prépare une offensive à l'ouest face à Patton. T'as Patton, le mec, dès qu'il y a Patton, l'offensive, il n'y a plus d'offensive. Concernant l'offensive, pas d'offensive. Il m'envoie quoi? Ah, bah, il y a Patton qui va se battre en personne. Bah, c'est un peu trop tard, mon gars, parce que vu comment t'es. Autant si t'avais 50 diff, tu m'aurais mis la misère, mais là, c'est trop tard. Eh bah, allez! Hop, on remonte à Tampa, à Tallahassee, j'adore ce nom. Ça fait Thalassa, enfin ça fait très Haïti, et, enfin Tahiti, oui, parce que je confonds les deux. Mais pourtant c'est pas le même coin. Ça, en une semaine ils vont changer de gouvernement un peu partout. Eh, 70 PP le confédéré? Incroyable. Ah non les gars, je ne veux pas de ce chant, cette chanson là s'il vous plaît, elle est méga déprimante. Allez, eux ils se font éclater. À Patton, t'aurais mieux fait de rester en exil, hein. Ça va pas te sauver la mise. Bon, Dallas, on va devoir faire un repli stratégique. Allez, on retourne derrière le fleuve. C'était pas une si bonne idée que ça. Parfait, là, on les éclate. Bah là, on va contre-attaque. C'est même plus Patton, bah allez, on y va. Banzai. Enfin, Banzai, Oura. C'est plus... Ah ouais, décidément, les mecs. La Croatie est tombée. Adieu, mes amis, vous serez battus de... Vraiment... Le communiste croate, s'il faut trouver une nation qui casse autant les pieds, c'est eux. Non mais franchement, les mecs, ils sont battus jusqu'à la mort. Bon, allez, bah on avance. Allez. La croisière s'amuse. Enfin, plutôt, les confédérés ne s'amusent pas. Santa Fe. Ah, allez, oui. Succès. Ah, c'est débile. Ah. D'accord, donc, ils me font littéralement une grosse attaque. Bah, attends. On va faire un truc assez marrant. Ça s'appelle se faire encercler et se rebuter dans le désert. Ah, j'ai pas eu, j'ai une division Lincoln. Bah, il y a un intérêt, attends. Tant je suis une nation anti-ségrégation, il y avait un intérêt que j'ai un général qui s'appelle pas. Enfin, qui s'appelle Lincoln. Oh, bah, ils ont encore des tanks, non mais. Je crois que j'étais peut-être le. De nous deux, je crois que c'est moi qui ai le mieux géré les tanks. Et c'est pas pour me vanter, parce que franchement, la gestion des tanks par l'IA est catastrophique. Les mecs, ils faisaient un corps blindé dans. Je sais pas, ils faisaient un corps blindé ici, pour me percer sur la Californie. 7 décembre. Ah! Qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce que vous allez encore faire? Vous allez encore... Ah non, ils ont juste créé la Croatie fasciste. Et la Slovénie qui s'est annexée par l'Autriche. Ah, ce délire, quoi. T'as littéralement l'Autriche qui est en train de reconstituer le Grand Reich, le vieux Reich qui existait plus depuis longtemps. Et voilà. Et voilà, on va bientôt arriver sur Miami. Miami, il y a combien? Il y a 2 usines seulement. Par contre, les infras, c'est génial, hein. Ah, les Everglades... Ça, en fait, c'est plus en train d'être une colonie de vacances pour mes soldats qu'une guerre. Ouais, bon, Roswell, ça commence à être chaud, là, Roswell. Ah bah, vous avez plus de ravitaillement, bah ouais. Ah bah, j'ai... Et merde. Oh non. Le cauchemar. Aïe, 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 aïe. Et c'est parti, l'IA m'attaque, et bah ben on va attaquer aussi. Oh non, fallait que ce débili. Oh là. Allez, c'est parti. La révolution, c'est moi. On va envoyer de la troupe dans le nord, parce que là... Ouais, ça va, les Canadiens, ils sont tous partis en Europe, donc... Oh, c'est débile. Les mecs sont tous en Europe, ils se doutent pas du tout qu'il y a un petit risque de conflit actuellement. Non, rien, bon. Et bah ben, ok, ben, c'est parti, on va aller reprendre la Nouvelle-Angleterre. Oh putain, Vancouver. Ouais, Vancouver, on va rester sur la défensive. Ouais, ah, c'était pas une bonne idée à Vancouver. Bon, là, ce serait bien qu'on pète la poche à Tuscon, comme ça on renvoie de la troupe. Oh putain, ça, c'était pas prévu. En plus, je m'étais rappelé, je m'étais dit, y a pas l'event où l'anglais, où le confédéré déclare guerre aux français. Eh ben merde, il l'a fait. Il l'a fait, et pas qu'un peu. Donc génial. Ok, là, ils sont pas encore arrivés. Putain, ils sont lents, mes mecs, aujourd'hui. Bon, c'est un peu normal, hein, les mecs, ils sont à l'autre bout du pays. Oh là là, ça pue. Ça, on est tous d'accord que ça va puer, hein, Max. Bon bah vous, je vais vous redéployer dans le nord, hein, on va pas avoir trop le choix. On va se battre dans des conditions catastrophiques. Oh bah attendez, on est juste en face d'Ottawa. Oh, ça serait intéressant ça, prendre Ottawa. Alors je voudrais juste voir quelles sont les forces de l'autre en face. Alors Smith, c'est juste pour tester, hein, t'inquiète pas. Ça va pas passer. Ah, ça va pas passer, fais suer. Alors, Massachusetts. Ah putain. Voilà, excusez-moi.
Bon, je pense qu'on va peut-être organiser de la guerre nationale, histoire de se défendre un peu. On va voir si ça perce de ce côté, mais ça va pas passer à tous les coups. Eh, si on peut... Attendez, ils ont pas de point de victoire? Oh! Attendez, il y a un petit truc à faire, là. Mais non! Passe par le Vermont, espèce de débile! Allez, hop, on les éclate. Oh là 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 là. T'as le confédéré, il a quand même plus rien à perdre, le mec déclare la guerre à l'autre. Bon, d'un côté, quand tu joues confédéré, ça va te sauver la mise d'entrer en guerre contre le communiste. Oh ya 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 ya. Ça me stresse d'un coup. Bon, d'un côté, je suis content, on est en guerre contre les Anglais. Mais de l'autre, ça m'aide pas du tout. Parce que ça veut dire je vais me prendre tout le Commonwealth sur la tronche. Ah, ils sont en train de muser de la troupe. Ah, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu de mobiliser des troupes comme ça. Et ils l'ont fait en plus. Bon, attends, on va se replier. Offensive d'hiver, une idée de merde. Et tant pis. Bon, allez, Toronto, on fonce. On va tenter de les stopper ici, mais ça va être trop tard à tous les coups. Ouais, là, je me sens pas sécure du tout, parce que c'est le mec qui me défonce. Assemblée de ligne, parfait. Ah, j'avais pas cru que ce serait aussi tendu. Parce que autant qu'il m'attaque, ça m'étonnerait pas, mais qu'il m'attaque au moment où le plus critique de la guerre... Bon, on n'est pas non plus en train de se prendre une débâcle, bien sûr, mais... On va pas dire que c'était le meilleur moment pour me prendre une déclaration de guerre de la part du coup, des Anglais, enfin du Commonwealth. Ça, c'est un peu fumé, quand même. Bon. Heureusement que j'ai clenché Evan, sinon j'aurais... Allez, Tuscon, plus rien. Boum. Oui, oui, bon, t'inquiète pas, tu me poses pas de problème. C'est pas un point de victoire, Tuscon? Si, c'est un point de victoire. Bon, on va s'en débarrasser, hop. Allez. Putain, eux, ils savent qu'ils vont me faire chier jusqu'au bout, hein. Walker. Ah ouais, c'est les tanks, ah, bien sûr. C'est les tanks qui restent, alors s'il y a ça, ça va pas être évident à attaquer. Ah non. Bah attends, va prendre la ville ici. Et toi, tu restes là. Bon, là, on va attendre. On va leur laisser Dallas. Ton univers impitoyable. Allez, hop, on avance de ce côté. Attends, on va mettre... plein gaz, les tanks à 3 km/h. Bon, ça doit être encore assez lent, 3 km/h. On va pas se mentir. Bon, pour des tanks, ça va vite, mais... Oh, ils sont tous repliés. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Ah, ça doit être mon chat qui est encore en train de gratter à la porte. Oui, bon, je finis le tournage et je viens t'ouvrir, promis. Ah bah, non bah attendez, je vais l'ouvrir, parce que sinon il va me casser le pied. Bon, visiblement, faut attendre... Ah bah, c'est bon, il est là. Tu veux dire bonjour? Voilà. Il est venu dire bonjour. Ah, il va aller m'encercler l'autre. Attends. Mes tanks qui vont fêter le réveillon à Miami, c'est troll. Magnifique. Attends. Ils sont en train de déployer des avions dans le nord? Oh, les Saigo. Ah ah! Nous sommes devant Ottawa. Coucou! On va aller vous prendre Ottawa, les gars, ça vous dérange pas? Allez, hop. Clark. Allez, boum! Oh, la pauvre diff de canadienne, toute pourrie. Les mecs s'attendaient pas à me voir. Coucou! Surprise! Voilà, il va falloir que j'attende un peu parce qu'on n'a pas de renfort. C'est une catastrophe! Nous n'avons aucun renfort pour tenir la ligne. Ouais! Franchement, vous pouviez dire qu'on n'avait pas de budget, ça m'aurait pas choqué. Tampa, Santa Fe, victoire. On perce de partout. Ah, c'est bon, regardez ça, on est arrivé avant le réveillon. Ah non, on fête le réveillon à Tampa, justement. Allez, coucou, toi, tu dégages. C'est la garde nationale de Floride. Ah bah, c'est bien la garde nationale de Floride, ils sont en train de voyager partout. Wetchani, alors attends, c'est où ça? Bah non, tu passes pas. Ah, ils vont m'envahir par les grandes plaines. Ah, ça, c'est bâtard, par contre. La Nouvelle-Angleterre, la plaie qui va arriver me casser la figure. Bon, au moins, ça fait une game un peu avec Kaiser Reich, vous savez, on libère toute l'Amérique, enfin, on libère toute l'Amérique du Nord, tout ça. Bon, allez, on prend la Nouvelle-Orléans, histoire de les achever un peu plus. J'aime bien. Attaque surprise. Boum. On va arriver en plein carnaval. Ah non, c'est pas encore le carnaval, pardon. Enfin, on va quand même les surprendre. Surprise. Surprise, c'est la révolution. Bon, tu veux bien crever, toi, parce que là, t'es en train de me casser les pieds. Walker, là. Texas Ranger, allez, dégage. Les unités de réserve. Oh, oh. Ça, on va l'avoir dans le derrière, les gens.
Ah bah attends là, en plus je vais avoir un front à gérer avec Lizzie Lawai. Eh ouais, ça va être compliqué la guerre dans le Pacifique. En fait, c'est la guerre dans le Pacifique, mais contre les Anglais. C'est... Ça change. Ça change considérablement. Oh, mais regardez qui voilà, ils vont venir au moment où on arrive. Oh, bah non, là, c'est trop tard, t'as plus les moyens de faire quoi que ça. C'est bon, ils sont morts. Faut que je me déplace à un endroit pour le casser pied. Cœur d'haleine. Allez, hop, dans les trains, on se magne. Y'a plus de mecs qui tiennent, là c'est... On fonce. Ah, Fargo, allez hop, on avance. Allez, on se magne. Allez les gars. Ah putain, les Canadiens me détestent. Ah oui, bah, je suis clairement pas le bienvenu. Allez, les buveurs de sirop d'érable n'ont pas l'air de m'apprécier. Bon, en même temps, on va leur apporter le socialisme. Ils vont m'accepter, vous verrez. Non, le socialisme, c'est accepter les gens tels qu'ils sont. Avec un peu de collectivisation, bien sûr. Bon, on va pouvoir enfin lancer une offensive au printemps sur Boston. Comment osez-vous reprendre les villes de la guerre d'indépendance? C'est nous qui sommes censés être le vrai congrès continental. Quelle indignité. Ottawa, victoire. Allez, hop. La couronne, on va la dégager. Le Queen, le King, là, le King of the North, là, on va le dégager. Bon, je suis pas plus fier de celle-là. Alors, c'est quoi les points de victoire du Québec canadien? Oh! Ouais, les Québécois, j'espère que vous allez... J'espère à mes amis Québécois qui nous regardent actuellement que vous allez être ravis que j'libère votre patrie. Promis, on y installera un socialisme soft, hein. On n'est pas des sauvages, attendez. On va pas installer un socialisme brutal, non. Ce sera un socialisme à visage humain. Comme toujours. Allez, hop. On les éclate. Ah, c'est vrai, ils avaient fait des lignes de défense. Oh, ils ont fait des bunkers. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil de faire des bunkers. Allez, on va prendre le Vermont. On va aller libérer Bernie. Bon, Bernie, techniquement, il est actuellement en Pologne. Bon, il a peut-être fui, il va savoir. J'espère que ça finit à fuir, est-ce que ce serait bête de perdre Bernie maintenant? Ah voilà, encerclement réussi à Santa Fe. Par contre toi je te vois en fait. Non, à Natchez c'était pas une bonne idée. Alors il reste quoi au confédéré? 42. Putain, 42 points et le mec est toujours vivant, incroyable. Hop, on va attaquer ici à Harlan. Et là, on va contre-punch à Dallas. Là, vous êtes resté trop longtemps. Ouais, là, c'est bon. Prochain épisode, on... Ouais, non, à Houston, ils vont envoyer de la troupe. C'est trop tard pour attaquer. Bon. Alors, maintenant, le communiste français... Enfin, le français, tu vois que maintenant, on est en guerre. Oh là, Ibilène, c'est passé quoi? Guerre de Géorgie. Non, mais... Quelle Géorgie, en fait? Tu parles de ça, là? Bah, attends, c'est à moi. Ah, ça me ferait quand les mecs, ils sont à l'autre bout de leur pays, loin de chez eux. Mais c'est un peu trop tard pour les sauver. Oh les salauds, ils m'ont pris Seattle dans le dos. Oh, je vous déteste. Déteste les Canadiens. Enfin, c'est pas que je vous déteste, mais là actuellement, je suis pas très content. Allez, Burlington, on enfonce. Edson, tu vas voir Edson, petite fouine, va. Toi et tes copains, ça va être le goulag. Et en plus, on va en construire un à l'extrême nord, histoire de voir ce que ça donne. Bon, on va pouvoir s'arrêter là en tout cas. Ouais, ça a été une bataille assez compliquée. On a presque l'infanterie 42, parfait. Et voilà, nous sommes le 3 janvier, la victoire est en marche. Bon, là, à vrai dire, on n'a pas totalement gagné la guerre, vu que t'as le confédéré qui s'est allié avec les Anglais. Mais le Canadien, en soi, il suffit de prendre ça, ça, et la côte et le Saint-Laurent, et c'est bon. Ouais, je pense que d'ici quelques mois, on aura peut-être, si mes renforts, là, on parvient à prendre Boston et tout ça, on prend. Ensuite, bon, on remonte et on défonce le Canadien, voilà. Par contre, contre l'Anglais, ça va être compliqué. Après, j'espère que ça... Oh là là. Ah, ça y est, on a les partisans qui se réveillent. Parfait, les partisans français, les légendaires. Oh, les Anglais sont en train de reprendre le contrôle de l'Éthiopie. Intéressant. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, je vous souhaite de bonnes fins de vacances, une bonne année, et je vous dis à la prochaine. Bye.